qui était souvent intéressant dans les ventes de pif, de vaillant en Roumanie, c'était que l'argent ne nous arrivait pas, puisque on n'avait rien à cirer de la monnaie du pays, qui ne pouvait pas se changer d'ailleurs. Mais c'était que ces sommes restaient dans le pays, la Roumanie en particulier, et qu'on pouvait imprimer gratuitement, entre parenthèses, entre guillemets plutôt, pardon, on pouvait imprimer pratiquement gratuitement les albums qu'on pouvait faire. Le seul problème, par exemple, ça me fait toujours rire de voir cet album de Corinne et Jeannot qui a été imprimé en Roumanie, parce que les Roumains, qui n'avaient pas l'habitude d'un travail particulièrement fin, avaient utilisé le carton, de la couverture dans un mauvais sens, puisqu'il faut un certain sens pour la reliure, dans un mauvais sens, ce qui faisait que l'album n'est pas plat. Il y a la couverture qui s'ouvre comme ça, et ça ressemble presque à un oiseau, et on l'a appelé l'album Papillon, qui était un album quasiment invendable. Eh bien, on a reçu cet album quasiment invendable. Je ne vous dis pas, la tête de Tabary, lorsqu'il a eu ce premier exemplaire, il était fou de rage, et nous aussi. C'était une catastrophe. Heureusement, Astérix n'utilisait pas ce type d'impression, quoi.